Alors aujourd'hui, je vais juste vous montrer un tout petit truc que j'ai utilisé pour réaliser ces deux carrés sur ma carte de lundi. Alors pour cela, une chute de papier, ici c'est du papier cartonné joli rose, de l'encre, l'encre pépite de chocolat, voilà. Et puis un tampon qui est issu du set de tampons Friends with Flourish, excusez mon accent anglais. Je vais donc tamponner mon cadre. Je découpe. Ensuite, j'utilise du scotch repositionnable. L'avantage, c'est que on peut le déplacer comme on veut. Eu vou lutar por você a vida inteira, mesmo que venha fazer muita bobeira. Se você passa, eu me desmancho em dor. Se você fica, eu quero dar o meu amor. Avec ce scotch, je cache donc les parties que je viens d'imprimer. Tampon qui vient du set motif baroque, je l'encre. Bon, la moitié est suffisant vu la taille du petit carré. Et puis je pose. Alors l'avantage du scotch repositionnable, c'est que on le décolle et il ne laisse aucune trace. Mesmo que venha fazer muita bobeira, se você passa, eu me desmancho em dor. Se você fica, eu quero dar o meu amor. Si vous n'avez pas de scotch repositionnable, vous pouvez faire la même chose avec tout simplement et tout bêtement des post-it. Voilà, vous cachez tout pareil la partie que vous ne voulez pas imprimer avec le post-it. Moi, j'aime bien le scotch repositionnable parce qu'il me sert aussi quand je veux imprimer sur des chutes de papier dans mon imprimante. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.